Pavlog Army, bonjour, aujourd'hui on va faire une playlist, une tier list pardon, de Giga Chad. On a fait les waifus selon les skins et tout, il est temps de faire les Giga Chad. Alors, ça va pas être facile parce que certains sont des chats sans être humain et tout, mais on va essayer de définir, évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, tout ça, bref, vous connaissez un petit peu les principes. Globalement, qu'est-ce qu'on va faire ici? Aatrox, je pense qu'on peut le mettre en Giga Chad. C'est à la fois un Giga Chad et un Edgy Boy, et pas très humain, mais Giga Chad parce qu'il va se battre. Alistar, il est complètement inhumain. Un peu particulier. Amumu, ce serait un peu bizarre parce qu'il est tout petit, tout gentil, pas de Chad. Aphelios, Edgy Boy, 100%. Lui, inhumain, à 300%. Rayleon Sol, hein, c'est littéralement un dragon cosmique céleste, un petit peu étrange. Donc, on le met là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Azir, j'ai envie de le mettre en inhumain. Non, c'est un fragile. Il attaque de loin et tout, vraiment, il attaque de beaucoup trop loin. Je pense que Azir, on peut le mettre en fragile potentiellement. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bard, inhumain. Blitz, il va être... Il y a beaucoup d'inhumains quand même. Brand, il a... Je sais pas, c'est un peu bizarre, il est à moitié zombie et tout. Brome, Giga Chad, pas de problème. Bon, Shogat, inhumain, jusque-là, on est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir? Corki, il a l'avantage, vous savez, de l'âge, de l'expérience et tout, mais... Un peu fragile quoi, il attaque de loin et tout. Darius, Giga Chad, va se battre au cac comme un balèze. Draven n'a pas de dash, va juste envoyer des haches et attaque de loin, mais vraiment, tu vois, juste il va se taper. Mudo, c'est un Chad, mais complètement débile. Donc on le met dans Weird. Echo, ah, il va dedans, il recule, fragile. Ez, fragile. Fiddlestick, inhumain. Fizz, inhumain complètement. Galio, Giga Chad. GP, c'est un fragile, il attaque de trop loin. Garen, ça pourrait être un Chad, mais. Ouais, j'aime pas le perso, quoi. Gnar, c'est weird, parce que c'est un enfant, on va pas le juger. Gragas, il aurait pu être dans les Giga Chad, mais c'est un fragile. Il va pas prendre de trade et tout, machin. Graves, c'est un peu particulier, Graves, quand même. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on rajoute une catégorie, genre juste catégorie badass? Parce que Graves, il rentre bien dans les badass. C'est pas un Giga Chad non plus, parce que bon, il va pas se battre au cac et tout. On verra après si j'aurai d'autres gens mettre dans la catégorie badass. Gwen, de toute façon, on s'en moque. Elle va pas exister. Emerdinger, weird. Ivern, inhumain. Complètement. Jarvan, je pense que c'est un Chad. C'est un Chad, Jarvan, pas de soucis. Jax, il évite les auto-attaques. Il a fragile. Fragile puissance 10. Jace, ça dépend s'il est en marteau ou en arbalète. On va mettre dans fragile parce qu'il est en mode arbalète. Lui, il est inhumain, Karthus. Kassadin, c'est un mage qui va au cac quand même. C'est le principe du mage, voilà. C'est le mage qui va au cac. Est-ce que c'est pas le plus chat des mages? Allez. Ilaoi, je pense que exceptionnellement Ilaoi et Leona, on peut les mettre dans des giga chad. Parce qu'elles vont dans le tas, genre bien balèzes. Donc moi, je vote pour Ilaoi et Leona en giga chad. Kane et G-Boy, forcément. Bah, ouais, t'as vu ça? Non, mais le monde est un peu trop difficile pour moi, quoi. Kennen, fragile. Je crois que Kennen est une femme. Je crois que Kennen est une femme, je sais plus. Kha'Zix, inhumain. Kled, weird. Kog'Maw, ce serait un peu bizarre. Lee Sin, il y a de la fragilité quand même. Il y a de la fragilité en lui. Il kick les gens à out et tout. Ah, Lucian, j'aime beaucoup. Parmi tous les carriadés, il fait partie des Chad. Je pense qu'il fait partie des Chad avec Draven. Avec les carriadés, enfin, il est short range, il doit faire des dash-in pour taper et tout. Malphite, Giga Chad. Genre vraiment, il te rentre dans l'arc, c'est son ulti. Malzahar, fragile, puissance 12. Ziggs, fragile, il reste loin, il est à la fois weird et fragile. Zac, inhumain. Maokai, inhumain. Maître Yi. Maître, il rentre dans le tas, mais en même temps, il est inciblable. C'est un peu un edgy boy. Ah, j'ai un katana, vas-y, il est trop bien. Wukong, donc on va le mettre. C'est pas un chat, Wukong, il peut s'esquiver et tout. Je pense que c'est un fragile. C'est un fragile inhumain, à la fois. On va être sympa, on va le mettre dans inhumain. Mordekaiser, je pense que c'est un chat. Non, je l'aime pas. Même quand il tape pas son passif, il gagne à sa place. C'est pas un chat que de tout louper et de gagner quand même. Edgy boy. C'est un edgy boy parce qu'il est dans son armure en mode il est trop dark, trop machin, trop emo, armure gothique machin. Alors qu'en fait, il touche pas, il gagne quand même. Nautilus, je pense à un perso de Chad. Nasus, non, c'est même si je me bats pas, je finirai par gagner. Allez hop. Dans inhumain, parce que c'est un dog, tout simplement. Lui, il est weird. Hop, ça c'est weird. Nocturne, c'est complètement bizarre. Nunu Willump, c'est un enfant. Hop, weird. Olaf, j'aime pas, mais c'est un Chad. Faut pas lui enlever ça. Le Blanc Gwen, on ne va pas les compter. Horn. Trop fort pour ce que c'est, le gars, il met trop de dégâts et tout. Je pense qu'on va le mettre dans... Puis il est pas très humain, en fait, simplement. Panthéon, c'est un Chad. J'aime pas, mais c'est un Chad. Pyke, pareil.
Il te grabe, il t'éclate la tronche salement, Chad. Jean, Osef, Timo, fragile, puissance 10. Meurs sur mes champignons, bah super, viens de battre quoi, non? Xinzao, c'est pas vraiment un Chad, c'est un edgy boy lui aussi. Non mais pour des massias machin, Xerath, alors fragile. Rakan? Rakan, je pense qu'il a du Chad en lui quand même. Enfin, je sais pas, parce que Egoin, tu vois, vraiment, genre, il va chercher les trades et tout, Egoin. Et en même temps, après, il recule pour s'échapper. C'est un peu un entre-deux. C'est un peu un Edgy Boy, en plus. Oh là, beau gosse. Bref, non, il est pas dans Edgy. Est-ce qu'il est dans Chad? Je pense qu'il est dur à placer Rakan, parce qu'il a un côté de Chad. C'est-à-dire, il a des stats de range majoritairement en termes de tankiness. Et pourtant, il rentre dans le tas. Comme un Giga Chad. On va le mettre dans les Giga Chad. On va le mettre dans les Giga Chad. Ramus, weird. C'est un tatou, littéralement. Renekton, c'est pas un Chad complètement quoi, inhumain parce que en fait il rentre dans le tight mais un CC il repart, c'est pas comme s'il venait vraiment se battre, c'est un peu particulier. Rengar, Chad, il vient, il te tue. Il y a pas plus de Chad que Rengar, il est inhumain mais sans déconner, c'est il vient, il te tue. Après il est fufu, ah, mais en même temps il est fufu pas pour s'échapper, souvent pour venir vers toi. Est-ce que ça compte ou pas? Je sais pas, je pense qu'on va mettre dans fragile parce qu'il est fufu, je pense que c'est valable. 7. Y'a pas vraiment de counter trade et tout, Edgy Boy. Allez hop, Shaco, weird. Ryze, fragile. Rumble, weird. Parce que de toute façon, c'est un Yordle. Rel, on peut le mettre dans le chat, je pense. Ouais, Rel, c'est une chadette. Let's go. Shen, il aide ses potes. Il se bat, il dash in. Il esquive les auto-attaques, mais quand même, tu vois, il est même là pour aider ses potes. C'est un peu un chat bienveillant. Jean, fragile. Je reste loin et j'ai même un ulti qui fait trop loin. Fragile. Shyvana, on la met pas dedans. Kiana dit non, Anivia non. Singed, fragile, il court et tu meurs. Akshan, fragile, genre il peut devenir fufu. La reine, il a de quoi s'échapper, qui reset s'il tue des gens. Fragile. Sion, c'est à la fois un Chad. Et en même temps, parce que genre son principe c'est de sauter sur les gens quoi. Et en même temps, il a des HP à l'infini donc. C'est un peu weird et un peu fragile à la fois. Allez, Zilean, fragile. Ça peut... Skarner. Skarner, je pense quand même c'est weird. C'est un scorpion quoi. Il est inhumain même lui. Hop. Swain, c'est Chad plutôt. Hein. Genre c'est un mage qui est là pour être en mêlée. C'est bien. Sylas, Chad. Genre son but c'est d'être là au cac, de tabasser les gens sévères, donc Chad. Tamkench, inhumain. Talon, ah, fufu fragile. Taric, giga Chad. Genre Taric c'est un Chad ultime. Le mec il arrive, il se bat avec un gros marteau. Il met des spells pour faire plus de coups de marteau. Il met des stuns au cac et tout, il est de ses potes. Non, Gigachad. Gigachad, le Taric. Thresh, inhumain. Trundle, inhumain. Tryndamere, fragile. Oui, je vais pas mourir, même si on me tape. Nul. Fragile aussi, lui. Bon, Graves, on va mettre dans fragile. Hein. Twitch, fragile, fufu. Udyr, c'est Gigachad. Udyr, c'est un Chad. Forcément, il vient au cac. Il se transforme en ours pour te foutre des tatanes, quand même. Donc, je pense Gigachad. Urgot, fragile. Genre vraiment. Varus, fragile. Vegar, fragile. Vel'Koz, fragile. Il est même pas humain, de toute façon, Vel'Koz. Hop, inhumain. Viego, Edgy Boy. Alors lui, il peut aller vraiment dans le top 3 des Edgy Boy avec Aphelios et Kane. Genre vraiment, ils sont là pour ça, quoi. Ça fera un ordre comme ça, à peu près. Victor, fragile. Vladimir, fragile. Voli, inhumain. Warwick, inhumain aussi. Et ensuite, ce sont les demoiselles. On a déjà fait une tier list des waifus. L'autre. Ah, il y a Zed. J'avais oublié Zed. Zed, c'est un peu. Ah. Il devient pas invisible, en fait, Zed. C'est comme un Chad. Il lutte pour te venir dessus, quoi. Yasuo, il vient dans le tas. Hein. C'est un edgy boy, Yasuo. Hop. Avec Yone, c'est un peu les gens Azagi. Gna gna gna, je rentre dedans, mais je suis un peu de l'ombre. J'ai tué mon frère. Gna gna gna. Yorick, est-ce que c'est un Chad? Non, il envoie ses ghouls se battre à sa place. C'est un fragile. Est-ce que j'ai oublié des chats potentiels là-dedans? Je crois pas. Je pense qu'on a tout. Je suis en train de jeter un œil quand même. Non, je pense qu'on a tout. Riven, je la mettrai dans Giga Chad quand même. Non, je pense que Riven, elle mérite le statut Giga Chad. Genre, elle vient, elle sort sa grosse épée pour venir t'éclater Giga Chad. Donc, ici, on a les Karyadés, mais qui sont. C'est des Giga Chad parce que c'est des Karyadés qui ont pas beaucoup de range. Et Draven, il a une range normale. Mais, juste, il a des grosses haches et il a pas d'escape. Genre, c'est vraiment soit il frappe fort, soit il meurt. Donc, ouais. Rakan, il a un côté Giga Chad parce qu'il a des stats de range et il doit rentrer dans le tas. Taric, Giga Chad ultime. Je pense que c'est un des gros Giga Chad du jeu. Qu'on se le dise. Malphite, pareil. Son outil, c'est je viens sur toi. Si je rate, je suis mort. Mais c'est pas grave. Donc, ouais.
Ouais, je pense qu'on est pas mal dans les gachas, c'est vraiment, genre, ils rentrent dans le tas, mode balèze et tout, ils vont taper. Les Edgy Boys, c'est les semis un petit peu fragiles qui vont dedans, mais pas trop, machin. Qui sont un peu trop, qui font un peu trop les beaux gosses. Ils sont pas là pour se battre, ils sont aussi là pour faire les beaux gosses. Et du coup, je pense pas qu'on puisse les mettre dans des gigachads. Weird, c'est. Ils sont un peu creepy, ou alors ils sont yordle, ils ont des trucs un peu inhabituels. Les inhumains, c'est vraiment genre, ils ont rien du tout d'humain. Tom Kench, c'est un peu bizarre. Les fragiles, c'est souvent ceux qui vont pas vraiment se battre, vous savez. Qui restent à distance, où il y a pas de counter trade, ou machin. Genre Azir, 400 000 de range, Corki pareil, Echo. Je viens battre, mais je m'échappe avec un petit, donc hop. Fragile, S, fragile, Timo, tu meurs sous ses shrooms, lui, fragile, GP. C'est les barils, Gragas, fragile, tu peux même pas aller le... Tu peux même... En fait, Gragas, on pourrait croire que c'est un gigachad. Mais pas du tout, pas du tout. Le mec, si t'essayes de faire un trade, il va te mettre Bodhislam et il s'échappe. Non, pas du tout gigachad, lui. Pas du tout. Lee Sin, c'est, il bouge partout, il vient pas vraiment se battre. Il peut être un peu tricky et du coup, il y a un côté de chad, mais pas trop. Je pense au reste, c'est des fragiles. Bon, voilà la tier list ultime des gigachads. Je tiens à vous dire qu'ils sont pas très nombreux par rapport au nombre de personnages masculins de League of Legends. Et qu'on a quand même quelques personnages féminins qui, je trouve, sont gigachads de fou. Voilà. Qu'on soit d'accord, hein. Rel, Illaoi, Riven, Eleona, hop hop hop, je pense que gigachad. Gigachad, vraiment sans contestation. N'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus, mais je serais curieux, tiens, d'avoir vos avis sur ces personnages-là, parce que je pense vraiment que ces quatre-là sont vraiment chad. Elles le méritent. Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez me faire vos retours sur ce qui est gigachad ou pas. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être des analyses de LoL et tout. Passez une très bonne journée à la prochaine. Ciao.